Et bonjour tout le monde. Alors la dernière fois, je me suis attaqué à la famille, enfin à la famille, au secteur Faminote. J'avais donc bien détruit les deux plateformes de défense qui étaient situées là. Bon, là, après, ça, au bout d'un certain temps, ça disparaît. Là, j'ai dû placer un petit peu mes vaisseaux LXL un petit peu en défense donc sur les portails. Hein. Puisque c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de petits xénons qui débarquent. J'ai eu d'ailleurs affaire à un Xenka, En encore une attente des fois. ordres. Mais je me demande quand même s'il n'y a pas un problème, parce que je comprends qu'ils sont un peu balèzes. Mais j'avais quand même tous ces vaisseaux-là, tous ces vaisseaux, plus un que j'ai déplacé ici, parce que je suis en train de construire une deuxième plateforme de défense. Ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 vaisseaux. 8 vaisseaux L. Ils ont tiré quand même un petit moment, ils perdaient pas, mais un paix de bouclier. Alors je sais pas si c'est voulu, mais vraiment c'est la première fois que je vois ça. Je crois qu'il y en avait même encore celui-là, donc ça fait 9. Ça paraît quand même bizarre. Donc j'ai dû recharger parce qu'il y en a deux ou trois qui se sont fait péter. J'ai rechargé ma partie. J'ai pris un Némésis donc avec trois torpilles, et puis de quoi se défendre quand même avec des petites sulfateuses. J'ai trouvé une technique un petit peu pour le bombarder sans trop me faire toucher. Avec le en mode voyage en fait. Et en mode voyage, quand on est assez rapide, donc le Nemesis il va à 2800, celui que j'avais pris. Quand je tire mes missiles avec le mode voyage, eh ben, ils vont à 2800 mètres secondes. C'est quand même assez efficace. Je tire à 10 km, vu que ce sont des lourds. Les missiles sont des missiles lourds. Ça touche, mais alors d'un coup. Et j'essayais de viser un petit peu déjà les grosses tourelles. Alors j'ai pas tout réussi à bousiller, mais j'ai quand même bousillé quelques-unes. Ensuite, je me suis approché un peu discrètement par l'arrière et j'ai bousillé ses moteurs histoire qu'ils ne puissent plus bouger. J'ai tout simplement envoyé mes vaisseaux un peu sur le côté. Et puis, ben, ils ont pu l'éliminer directement. Mais pour ça, j'ai quand même dû descendre un petit peu son bouclier. Une fois qu'il est descendu, après, il n'y a pas de problème. Le vaisseau K, là, le Xenka, l'a pas fait non. Donc je me demande, je sais pas pour quelle raison, mais ça a commencé à faire ça que dans ce secteur. Ici, j'avais, je dis bien j'avais, parce qu'il y avait un vaisseau K, je sais plus si j'en avais renvoyé un. Mais alors, il n'y a plus de défense du tout ici. C'est vrai que j'en avais envoyé un, je crois. Bah, il est là, je crois. Le Behemoth qui était en réparation, si je ne m'abuse. Je sais pas si je vais les renvoyer là. Non, je vais plutôt aller là-haut. C'est la zone la plus importante. On va le mettre en défense ici. Alors non. Non, non, non. Tu vas plutôt venir là. Comme ça. Et puis tu vas aller ici. Que sinon il va passer par le secteur Xénon, par deux secteurs Xénon, donc c'est pas vraiment l'idéal. Je préfère éviter ce point. Ici d'ailleurs, il va falloir que j'ajoute encore d'autres satellites avancés un petit peu quand même pour voir que je sache à l'avance quand je regarde un petit peu dans les secteurs. C'est surtout ce qui me fait peur, bah, c'est les Xenka là, hein, voire les Xen-I ou J, je sais plus lesquels sont les plus gros. Enfin bon, bref. D'ailleurs, il y en a peut-être un que je devrais déplacer encore un petit peu plus loin. Même encore un peu les avancer. Puis toi, tu vas plutôt aller là-bas. Par contre, j'aimerais bien qu'il soit dans le bon sens au cas où. Ok, donc là pour le moment, c'est bon. Toi, tu regardes là-bas également. Pour le moment, je vais le laisser là, ça va très bien. Ici, bon, je vois que ce sont surtout des miniers, etc., là, qui arrivent encore à passer. Mais elles se font quand même, pas maîtriser, mais elles se font quand même tirer dessus. Le Paranide, lui, il va aller construire ici. D'ailleurs, j'ai vu que les IA construisent également une plateforme de défense. Moi, j'ai envoyé un maximum de ressources. Donc là, normalement, il y a tout. Je vais pas avoir besoin de tout ça de toute En façon. attente des ordres. Puisque j'envoie quand même pas mal avec mon Shuyaku, des Hermès, etc. Ah, il manque des pièces de coque. Il y a un vaisseau qui a dû se faire péter. Merde. En attente des Deuxième ordres. Shuyaku, pièce de coque, 4348. Vite, 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 Shuyaku, toi. Non, toi.
Tac tac En tac. attente des ordres. 18 milliards. Eh ben, écoutez, hein. Faut ce qu'il faut. 4000, allez, 4400, ça ira très bien. Si bien sûr je peux en prendre autant. Non, 3083. Va falloir que je trouve un vaisseau L qui puisse en transporter un petit peu plus. Parce que là, franchement, bon, voilà, ça peut déjà commencer en tout cas à construire avec ça. Et 1300 encore, on va dire 1400, 1500 approximativement, ça ira très bien. Par contre, tu passes par où, toi? Elle a l'air de passer par là-bas, c'est bon. Je devrais interdire ce secteur en fait. Le passage des secteurs Xénon. Échanger des marchandises, pièces de coque, bah vas-y, de toute façon, plus personne n'en achète, j'ai l'impression. Donc, non, quand même pas, allez, 1500. Je fais n'importe quoi. 1500, confirmé. Et tu retournes là-bas. Attente des Voilà, ordres. comme ça, on sera bon. 4500, c'est tout bon. Ok, ensuite toi tu vas pouvoir retourner ici. En attente des ordres. Parfait. Oui, c'est bon. En attente des ordres, en attente des ordres. D'ailleurs, j'ai également des éclipses et des phénix en construction. Par contre, pour les phénix, il y a juste un petit souci parce qu'il me manque quand même pas mal de choses. Composants électroniques avancés, composants d'armement, convertisseurs d'antimatière, composants de bouclier, composants de tourelles et d'ailleurs des convertisseurs d'antimatière 6647. Je pense qu'il est En temps attente des ordres. d'acheter. D'ailleurs, je vais voir. Alors, si par contre il en manque ici, ce serait bête. J'aimerais bien savoir quel type de vaisseau cargo serait quand même. Alors, 36 800 pour le Héron. 36 800, 2400, vitesse de croisière. 36 800, 2004. 2003, 40 800, c'est pas trop mal, je crois, hein. Ah, et puis bon, ça c'est pas grave. Lui, c'était le Chiyoku. Ouais, 37 000. Mais 3100, il est quand même un petit peu plus rapide. Et que 37 000. 29 000. 36 000. 33 000. Et 45 000. Ça, c'est intéressant. Mais alors, vitesse de croisière, elle est plutôt lente. Mais 45 000, c'est quand même pas mal du tout. 1600, est-ce qu'on a mieux quelque part? Par contre, je vais pas pouvoir acheter partout. Chez eux, ça va pas être possible, je crois. Qu'est-ce que tu me fais, toi? Qu'est-ce que tu me. Ah, si. Par contre, je vais pas pouvoir acheter 22 000, 25 000. 25 000, donc c'est vraiment. Et puis le haut, je vais pas pouvoir acheter beaucoup, je crois, mais il va à 3298. Alors, oui, effectivement, il n'en a pas beaucoup. C'est que 25 500, mais alors par contre, il est rapide. Il est plus rapide que mon Eclipse. Il met un petit peu plus de temps à y arriver, je pense. Mais... Alors, 25 000, 25 200, oui, 25 500. 22 800, c'est juste pour voir. 4000, non mais sans déconner. Ok, bon alors eux c'est la vitesse, d'accord. La vitesse c'est bien, mais moi je cherche surtout une grande capacité. Et puis chez leurs amis, enfin chez leurs amis, chez leurs frères, hein. Je pense, non pas XL. Ok, à moins qu'ils en aient un XL, je pense pas. Du coup, cargo, Helios, 25 500, c'est exactement la même chose, 21 000, 19 000, hein, si je mets ça et ça, on est à 3200, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Teladi, ça c'était fait, bon, ministère de l'Intérieur, c'est pareil. Alors, quand même, par curiosité, je vais vite regarder chez les Antigones. C'était celui-là, 54 000. Et 1004. 54, il était à 45 000 hein, chez les Argons.
45, ouais. 45 sur 54 000, c'est ça? Je sais plus. 45 pour 54 000, ouais, quand même. Ça, c'est quand même bougrement efficace. Eux, je ne suis pas sûr que je puisse en acheter, par contre. Si, c'est bon aussi. Cargo, on est à 30 000. C'est pas génial. 3 600, c'est quand même assez rapide. Bon, après, faut voir aussi. J'ai pas regardé la coque. 40 000, 68 000, ça a l'air quand même pas trop mal. Mais, bon, c'est vrai que c'est des vaisseaux, j'évite de les faire attaquer. Et puis chez eux, dites-moi. Et puis chez eux. Ils ont pas beaucoup de choix. 16 000. 2008. Ça, c'est quand même ridicule. Hein. Pas pour dire, mais c'est franchement ridicule là. Par contre, ce qui n'est pas ridicule, c'est ça que j'aimerais. C'est ça que j'aimerais, mais par contre, il me semble qu'ils n'ont qu'un seul gros bouclier contre deux pour les Argons, en tout cas avec les Titans. Par contre, c'est un vaisseau porteur, et puis d'avoir des armes, c'est bon, il y en a. Par contre, ils n'ont pas d'armes de face. Là, on voit directement qu'ils n'en ont pas. Il me manque, il me semble, plus que deux de réputation pour que je puisse l'acheter. Famille libre, on a 18, ouais, tout à fait. Donc il va falloir que je me fasse quelques quêtes. Est-ce que je me ferai ça maintenant? En attente des ordres. Franchement, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'aimerais bien quand même avancer ça, mais c'est vrai que ça me changerait un petit peu. Par contre, je vais jeter encore un petit peu quand même de temps en temps. Oui, la fabrique là, il est pas très, ils sont pas très intelligents quand même d'installer, de construire une station juste à côté. Alors déjà en pleine base et en plus en plein centre. Là, vous avez deux défenses Xénon, vous avez une centrale solaire. C'est une très mauvaise idée. En plus, la défense, enfin, la centrale solaire est très protégée. Ils sont un peu idiots. Mais bon, pourquoi pas, allez-y, dépensez. Amenez vos ressources là-bas, c'est une très bonne idée. J'ai mon vaisseau de construction Héraclès qui est en position pour débuter la construction. Malheureusement, pour le moment, nous n'avons rien, nous avons que des photopiles. Et c'est tout. Pièce de coque, j'amène moi-même. Nanobot, bon, en fait, j'amène tout moi-même. Hein. Tout le reste, c'est pour moi. J'ai mis quelques petites défenses pour le moment, mais c'est vrai que je devrais en rajouter après par la suite. Il me semble que j'en ai mis deux sur deux plateformes de défense, c'est tout. Il va falloir que j'en rajoute, mais pas pour le moment. Là, je voulais vite me dépêcher quand même pour zioter un petit peu et voir ce qui se passe aux alentours. Enfin, bon, bref. Du coup, je pense que je vais commencer. Est-ce que j'avais apporté. Non, je crois que j'avais pas fait. Eclipse, fortune de Nébulio, ça c'est bien. On va en apporter un comme ça. Je vais avoir besoin d'Eclipse. Par contre, Eclipse, si je l'amène, je vais l'amener directement. On va l'amener là-bas. Tu vas raffiner une minerie de minerais. Espérons juste que je m'en souvienne quand même. Et puis, moi, je vais partir par là-bas. On va voir un petit peu ce qu'on a. D'ailleurs, je vois qu'il manque encore quelques. Bah, tiens, on va plutôt mettre ça ici. On va poser satellite là-bas. Je cherche quelques petites missions. Il me faut absolument ce vaisseau. J'aurais bien tenté ce vaisseau Paranide en XL, honnêtement. En plus, si vous regardez bien. Alors, oui, j'avais regardé avant, hein, quand même. Quand je regarde la coque qu'il a. Alors, d'accord, il n'a pas beaucoup de boucliers. Mais alors, on est quand même à 590 000 de coque. Et ça, c'est pas un vaisseau modé, hein. Il me semble pas, hein, moi que je dise des conneries, mais bah non, c'est pas un vaisseau modé. De quoi tu me parles? Toi, tu veux que je passe par où? Attends. Tu veux que je passe par où, toi? Famille, tu peux. Ah, mais non, mais j'étais là, je suis bête. Ok, c'est normal. Il me semblait quand même. Mais j'étais ici, non? Mais je sais pas, ça me paraît bizarre, enfin bon, bref. Allez, on est bon. Vous entrez dans le système. Marché libre. Je vais juste après, donc, et bah, tout simplement tenter de récupérer quelques petites missions. Je pense qu'avec tous les
Station, toutes les stations qu'ils ont là, franchement, ça devrait pas être un problème. Alors par contre, c'est bien la famille libre qui ont le dessus. La mission que j'avais commencé, enfin que j'avais faite il y a longtemps d'ailleurs, en ce qui concerne d'ailleurs, je devais aider la famille Zia, je crois, à se refaire. Bah tu m'étonnes, ils en ont grandement besoin. Alors, ils en ont vraiment, vraiment besoin. D'ailleurs, eux aussi, il va falloir que j'augmente aussi un petit peu ma réputation. Mais avant ça, bah, j'aimerais bien récupérer toute leur zone. Hein. Franchement, il y a de quoi. Hein. Il y a de quoi faire là. Il y a vraiment de quoi faire. Je vais juste passer le portail. Portail. Vous entrez dans le système. Donc, Deux c'était places. là. Là, j'étais ici. Alors, il va falloir aussi que je m'occupe absolument de cette centrale solaire. Et puis, Dominion de Ziyart, je suis pas certain de me le faire, mais je pense quand même que je vais m'y mettre après. Il va falloir que je me reconstruise. J'aimerais vraiment garder des vaisseaux en garde, en fait, ici. Donc, c'est-à-dire, bon, ici, c'est pas forcément le plus important, mais je vais quand même en garder là. Je vais en garder ici, et puis je vais me diriger par là après. Il y aura quand même une sacrée difficulté, parce qu'ici, nous avons la cascade de Tarka. Donc, là, je pense qu'ils vont être très protégés, et je vois qu'ils ont quand même pas mal de stations. Ça va être un peu chaud quand même, et il me semble qu'ils ont d'ailleurs un deuxième secteur ici. Mais il va falloir protéger absolument cette zone-là. Là, les deux plateformes de défense, évidemment. Ça fait mal. Vous entrez dans le système. Attendez voir, ça feu de donne la pas envie. défense. J'ai juste pas du tout mon bouclier, mais il me semble que j'ai la coque à fond. Espace Ou presque sûr. en tout cas. Je vais regarder vite fait les missions après. Donc oui, me diriger ici, c'est très important parce que vraiment ici, je suppose qu'il va y avoir énormément de matières premières que j'aurai besoin justement pour mes futures stations que je construirai. Je ne sais pas où exactement encore, je verrai sur le moment. Je vais juste m'arrêter ici pour déposer un satellite. J'ai bien visé s'il avance pas trop loin. Il avance un peu trop loin malheureusement. Bah c'est pas grave, on va en foutre un autre là-bas. Et comme ça, on verra bien le secteur, c'est un souci. Par contre, j'ai vu qu'il y avait un vaisseau. Ok. Je vois déjà une mission, par contre. Falania, j'ai pas très bien vu. Espace libre. Ok. Allez, cette fois-ci, on va pas aller faire le con comme je l'ai fait la dernière fois. C'était où déjà? Ah oui, chez les Terrans, chez les Terriens. Ne pas désamarrer d'un vaisseau en plein voyage sur les super autoroutes. C'est une très mauvaise idée. Ensuite, eh ben mon éclipse arrive, c'est très bien. Équipement essentiel des machines industrielles. Livrer 5 pompes hydrauliques. On était ça fait longtemps. 5 pompes hydrauliques, c'est ça? Est-ce que des pompes hydrauliques, j'en ai directement, j'en doute. Je pense que ça s'achète, mais si c'est ça, franchement, je ne vais pas m'emmerder avec ça. Je zut vite fait, mais apparemment, je n'en ai pas. Si j'en ai 5, j'en ai 6. Et ben voilà. Ce sera une mission vite fait. Je savais que je pouvais compter sur vous. Je vais délivrer immédiatement. Je sais même pas où ça s'échappe. Ouais, bah, je pense sur les xénons, ou sur des vaisseaux ennemis en tout cas. Si je les ai, c'est que je les ai pas achetés en tout cas. Oups. Je ne les ai en tout cas pas achetés, ça c'est certain. Ouais, c'est vrai qu'il est vachement rapide ce vaisseau. Attention quand même avec ça. Calme-toi, c'est bon. Amarrage autorisé. Alors, nous sommes heureux de vous accueillir à bord. Merci. J'ai eu une petite frayeur quand même. Quartier de l'équipage. Alors, ça compte. On est bon.
On est toujours à 18. Alors évidemment, là, au level 20, il va falloir quand même pratiquer, enfin faire quelques petites missions. Ça va pas être. On va quand même prendre l'éclipse. C'est moins rapide, mais si jamais j'ai besoin de tirer, oui, je ne sais quelle mission, je préfère quand même avoir un Bonjour, vaisseau de guerre. Eclipse. Avant-garde. Pilotage en écart. Bon, pourquoi pas, c'est pas trop mal. Est-ce qu'on a une nouvelle mission? Pour le moment, pas. Non, alors. Voilà, ça m'énerve. Toi, tu vas te calmer. Supprimer tous les ordres. Tu es réattiré ici. Merci beaucoup. Il va falloir que je me dirige. C'est à peu près par là, oui, mais on va se diriger par là. En gros, en fait, il me semble quand même que je dois passer vers les stations pour que je puisse voir. Oui, c'est vrai qu'il y a une plateforme de défense, mais eux, ils se démerdent. Hein. Par contre, la plateforme de défense, elle est jamais attaquée. Ils ont énormément de stations. Leur station est quand même très bien défendue. Il y a souvent eu des attaques comme ça, Xénon. Mais ils n'ont jamais eu de problème. Je crois qu'ils n'ont jamais réussi à détruire une seule station. Ça, c'est Xénon, ça. Station à vous. Ah, je la connais pas, celle-là? Ça me paraît Xénon. Oui, tout à fait. Condor. Épave. Sentinelle. Cygone. Condor. D'accord. Sentinelle. Ils se sont bien fait péter la gueule, hein. Regardez-moi ça. Mais la station se démerde, hein. La station se démerde plutôt bien. Ils ont quand même construit une centrale solaire. Allez, on va voir vers les stations par là-bas, parce que j'ai lancé pas le même son. Allez, on va bien trouver quelque chose quand même un peu dans le coin. Je vais aller voir les autres stations par là-bas. Bon, c'est vrai que là, 2700. Honnêtement, ouais. Bah tiens. Complexe ou produit raffiné. Cette station-là. Ah, mais j'ai pas de satellite. Ah, bah si! Comment ça se fait que j'ai autant de satellites avancés, moi? Bon, bah, tant mieux. Ah oui, bah tiens. Ça aussi, gagner des points de réputation en détruisant un vaisseau qui attaque une station. Évidemment, sans toucher la station. Qu'il me manquait. Toujours pas de mission, malheureusement. Ah, quand je passe quand même du Pégase à l'Éclipse, c'est quand même très très lent. Hein. Par curiosité, on sait jamais, est-ce qu'il y aurait une nouvelle station? Parce que ça se construit quand même depuis le temps. Ça fait un petit moment que je ne suis pas revenu ici dans le coin. Et puis j'aimerais voir aussi vite fait ma station, comment elle se porte, est-ce que ça se revend, est-ce qu'ils ont besoin encore un petit peu de vaisseau marchand? Non, c'est l'autre. Pour les pièces de coque quand même, bon ça a l'air de pas mal marcher. Merci. J'ai gagné 10 000 mais par contre... Ouais, par contre, il n'y a rien. Si, 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 destruction de mines requises. Je savais que je pouvais compter sur vous. On va s'en occuper tout de suite. Objet inconnu. Bon, évidemment, pour faire des points, je pense quand même qu'il faudra des missions un petit peu plus compliquées.
c'est-à-dire des missions qui vont durer un petit peu plus, un petit peu plus longtemps, mais plus c'est compliqué, plus c'est cher, plus, enfin, plus on a du pognon, plus on gagne des points. Mais pour ça, il faut les trouver. Et pour ça, bah, va falloir se balader, hein, tout simplement. Portail. Objet Objet 13 en 9. On va quand même faire un peu attention, même si le vaisseau n'est pas très rapide. Objet on va commencer par celui-là. Normalement, avec ce vaisseau, je crois que. Enfin, avec ses armes. Voilà, c'est à peu près 2-3 km, je crois. Approximativement. Objet inconnu. Objet inconnu. C'est une mission assez rapide. C'est vrai que c'est pas super passionnant, mais bon. C'est vrai que je puisse terminer pour le point. Toujours à 18, ok, est-ce qu'on a une nouvelle mission? Pas du tout, donc on passe le portail, si c'était bien celui-là. Vous entrez dans le système, crevasse de Tarka. Accueillir à bord. Bonjour. Vous n'avez pas assez de place dans votre vaisseau pour l'instant. Thank you.
jour. Vous n'avez pas assez de place. Bonjour. En attente des ordres. Eclipse. Avant-garde. Sur une station que je ne connais pas. Et ben ça c'est parfait. Alors ça j'aime bien. 220, ça me paraît quand même assez loin, mais je n'ai pas vraiment fouillé. Il me manque encore des stations hein, un peu à gauche à droite. Faut que je fasse attention à ça. Ça peut être. Ah oui. Ça peut être quand même assez important. Je vois vraiment ce que c'est comme station. On m'a demandé de larguer ma cargaison en attente des ordres. Tu t'échappes ? Allez, let's go. Et des IA, ouais, ils s'installent vraiment ici en fait. Hein. Ils s'installent chez leurs frères. Histoire quand même de fabriquer quelques petites choses. Donc là, est-ce que c'est sécurisé? On va sécuriser un petit peu plus proche. On va plutôt aller par là. Avec celui-là, en tout cas. Là, évidemment, ça n'a pas encore commencé. Station à tout. Il me semble qu'il n'y a pas d'autre. Par contre... Ah si, c'est bon. Mais si, peut-être que j'avais déjà, en fait, cette fabrique. Puisque j'ai installé un satellite. J'ai pas mis là pour rien. Allez, au cas où. En attente des ordres. Non, rien du tout. Allez. Bon, y a rien de surprenant que je n'aurai rien, je n'aurai pas de points supplémentaires. Mais par contre, je vais aller. Nous sommes heureux de vous accueillir. Ah bah si, 19, bah c'est parfait. Il m'en manque plus qu'un point. Cette fois-ci, j'aimerais vraiment récupérer une mission quand même assez convenable. Et pour ça. Bon, ça veut rien dire, mais peut-être que par là, on sait jamais. On va passer par là-bas. Avant-garde.
Allez, je vais faire un petit tour, je vais en profiter pour me moucher, puisque je n'ai plus rien à dire de toute façon pour le moment. Là-bas, allez, c'est parti. Espace vide. Ok, par contre je me demande quand même si j'aurais pas plus de chance par ici et par là surtout. Là ça me paraît quand même un secteur principal vu qu'ils ont leur chantier à vous, enfin à voir. Qu'est-ce qui manque ici? Composants électroniques et pièces de coque. Les pièces de coque, oui, ça risque de prendre un petit moment parce que c'était le deuxième Shuyaku qui se trouve d'ailleurs où fabrique. Ce qui est marrant quand même, c'est que ce sont les argons. D'abord, j'ai juste allé vérifier là, parce qu'ils se font attaquer par qui les argons. Espace B. Peut-être qu'ils sont en guerre en fait avec eux, je sais pas. Mais il faut de toute manière que je place un satellite. Fad, c'est qui ça déjà, Fad? Est-ce que ça ne sera pas eux? J'oubliais. Non, ça c'est les Vig. Ah, mais les Fad, je crois que je ne les connais pas encore, il me semble. Ils ont quoi comme vaisseau? Des Balors, je ne connais pas du tout. Ils n'ont pas de défense apparemment. Si je pose un satellite, on va peut-être en avancer ici, tout simplement. On va pas s'emmerder. Donc c'est cette station, je crois. Fabrique de pièces de coque. Tout à fait. J'ai comme l'impression qu'ils essayent de me bousiller mes... mon petit commerce, hein. Bon, allez, c'est pas grave, c'est pas pour ça que je suis là. C'est pour les missions. Un petit peu sur la droite et ça devrait le faire. Par contre c'est pas facile hein. C'est vrai que les missions c'est quand même mis aléatoirement évidemment, mais quand on en cherche évidemment on n'en trouve pas, et quand on en cherche pas hein, on en a tout le temps. Et puis normalement je devrais quand même en avoir pas mal là, des missions avec eux, puisque j'ai quand même une bonne réputation, donc on devrait me fournir quand même. Paranide, Argon, Sup, d'accord. Mais c'est vraiment tout ce que j'ai. Hein. Et je crois que... Non, ça a l'air d'aller. Il y a juste ici le secteur Xénon, mais je sais pas ce qui se passe, franchement. Ils ne se font pas du tout attaquer, hein, ces petits salopards. Ah, il y a une station encore inconnue là-bas. Je pourrais envoyer en fait tout simplement mon vaisseau. Mon Pégase, aller y faire un saut. D'ailleurs, je devrais, c'était lui. En espérant juste quand même que ce ne soit pas du Xénon, on sait jamais. Hein. Je vais le poser un petit peu plus loin, ça serait un peu dommage. Là, j'ai toujours pas de mission. Et puis, je crois que c'est tout ici. Là, j'ai un truc encore, mais bon, voilà. Et puis, je crois que c'est tout. Par contre, il y a une station là-bas qui était détruite, apparemment. Et là aussi. Évidemment, ce sont. Et là aussi, d'ailleurs. Ils perdent un petit peu de terrain, quand même, là, hein, aussi. Attention au dock d'équipement, ça craint un petit peu pour vous.
Équipement essentiel de machine industrielle. 10 micro-moteurs. Alors, est-ce que je possède ça? Des micro-moteurs. Micro-cardan, micro-moteur. 5, il en fallait 10. Non, alors ça, j'ai pas. Et je sais pas si je peux en acheter quelque part. Hein, mais je ne crois pas. Quoique. Où est-ce que je me situe, moi? Mais ils en vendent sûrement pas, donc on va plutôt passer par là. Juste voir s'ils en vendent des micro-moteurs dans les stations directement. Je suppose qu'ils devraient en vendre, mais bon. J'espère pas dans les factions pirates, ou alors ouais, peut-être c'est des factions spéciales qui en font, je sais pas. Je ne sais pas du tout. Mais bon, pour le moment, c'est dommage. Hein, j'ai monté que d'un seul niveau. Par contre, je n'ai pas encore vérifié. Il faudrait juste que je fasse attention tout de même à une chose. Arrêtez ce criminel. Trop tard. J'ai déjà atterri. Alors, apparemment, non. Ça attaque. Ah bah tiens, lui, il perd un petit peu quand même. Hein. C'est vrai que... Ah bah lui aussi, il perd quand même. Amarrage. C'est pas possible, ça. Ils perdent quand même pas mal de boucliers. Alors peut-être que j'ai pas assez de défenseurs. Bon, il y a pas mal de paix, apparemment. Ils deviennent un petit peu dangereux, là. Bon, ça va, un petit tout petit peu. Pas grand-chose, quand même. Ici, ça se passe plutôt bien. Va peut-être falloir que j'amène aussi un autre titan, à voir... Mais j'aimerais bien pour continuer quand même m'acheter ce vaisseau là, XL, franchement. J'en ai vraiment très envie. Par contre, ils vont avoir un sacré problème, je pense, de ressources évidemment. Parce que si je me mets à acheter un vaisseau L par exemple, si je veux celui-là en haut, tourelle, composant de drone. Bon, alors. si je regarde comme ça, les tourelles, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc s'il manque déjà là des tourelles, vous imaginez un petit peu ce qui va manquer ici. Il va falloir que j'aille amener tout ça avec Ashuyaku, je suppose. Il va me falloir vraiment acheter un autre vaisseau porteur. Ashuyaku est quand même pas trop mal parce qu'il est assez rapide. Mais j'ai vu que ouais, pour les tourelles et tout ça, ce qui serait pas mal quand même, c'est d'acheter directement chez les Sop. Ils ont un vaisseau quand même très rapide. Et là, ça ira quand même beaucoup plus vite avec un moins gros volume. Ce qui est quand même assez dommage. Enfin bon bref. Allez, là je devais m'acheter des trucs moteurs là. Si bien sûr la mission est toujours disponible. Quoi des affaires. J'ai dit quoi des affaires. Puis-je aider? C'était micro, je sais plus quoi. Et voilà. Micromateur. Ah bah tiens, t'en as 23, parfait. Je t'en achète 5. Est-ce que j'aurais des choses à revendre? Je pense quand même. Des champs de force programmables. Je pourrais en avoir besoin, puis de toute façon j'ai pas besoin de thunes en fait. Donc non, en fait, je vais tout garder. Par contre, ce que je vais pouvoir te prendre, ce sont... C'est ça. Ça au cas où aussi. Confirmé d'ailleurs, j'aurais peut-être dû faire ça. Split, souhaitez-vous. Donc normalement maintenant j'en ai 10. Hein. Je vais quand même accepter vite fait la mission. Et je pense que je vais m'arrêter là, ça fait 44 minutes maintenant. Je savais que je pouvais compter sur vous. Moteur, j'en ai bien 10, c'est parfait. Allez, Eclipse. Bon, c'est vrai, j'avoue qu'aujourd'hui la vidéo n'était pas super intéressante. Mais bon, c'est vrai que je voulais un petit peu changer quand même. Je pensais que j'aurais pu arriver
au niveau 20, mais peut-être que la prochaine fois, je pense que je vais avoir un tout petit peu de temps. C'est vrai que ces temps-ci, j'ai pas énormément de temps non plus. Mais peut-être que je pourrais en trouver pour avancer ici au niveau 20. Est-ce que j'aurai le temps aussi de ramener les ressources dont ils auront besoin pour construire le vaisseau XL que je veux absolument. Si je pourrais en construire plusieurs, ce serait encore mieux, évidemment. Je vais pas cracher dessus. Mais je crois que ça coûte très cher, hein, par contre. Parce que vu, franchement, mais la coque, 590 000 de coque, c'est juste cheaté un petit peu quand même. Hein. Alors ce type de vaisseau, si en plus à l'intérieur je mets une blinde de vaisseau, de petits vaisseaux S, puis je peux mettre des M, alors un ou deux, je sais pas combien, mais enfin voilà, ça va être quand même très efficace contre les chasseurs. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, c'était livrer les micromoteurs. Quartier d'équipage. Toujours. Il n'y a pas de voyous chez les splits. Ok. Ah, puis j'ai reçu un séminaire de pour personnel des étoiles en pilotage. Ça, c'est pas trop mal. Je sais très bien déjà à qui est-ce que je vais donner ça. Une fois que le vaisseau sera construit, vous m'avez bien compris. Alors, cette fois-ci, je pense que c'est bon. Je vais juste quand même décoller. Et je vais voir si à tout hasard il n'y aurait pas une mission, ce que je doute. Tout à fait. Et bah du coup, je vais peut-être me promener un tout petit peu en solo. Je vais me promener un peu par là-haut, tout simplement. Je vais voir si je pourrais récupérer quelque chose d'un petit peu plus intéressant. Comme mission. Enfin voilà. En tout cas, bon, j'avance un petit peu hein, quand même. J'ai quand même eu... plus 1 en réputation. Là, j'ai quand même le détruire celui-là. Si j'ai le tout, bien sûr. Vaisseau civil. Là, ça, c'est Kranios. Ok. Accélérateur. Donc, oui, voilà, j'ai quand même avancé de 1 en réputation avec les splits, la famille Vibre. Et puis, j'espère que pour la prochaine fois, ce sera tout bon, je pourrai construire ce nouveau vaisseau. Il va falloir quand même que je fasse aussi quand même quelques allers-retours pour terminer les Phoenix, quelques allers-retours pour leur donner les ressources dont ils ont besoin pour les fabriquer, parce que là, il manque encore beaucoup, je crois. Ouais. Il y a des convertisseurs d'antimatière 6647, je sais que j'en ai quelque part, mais il va falloir que je leur fournisse tout ça. Je vais faire une avance rapide également, histoire de que ça avance un tout petit peu. Et je vais devoir faire attention aussi à la défense de ma, j'espère, future zone. Vous voyez là, ça a commencé par contre. Voilà, ça commence à construire, c'est très bien, c'est mon Chuaco qui se barre. Qu'est-ce qu'il leur reste encore? Composants électroniques avancés, ça je suppose que c'est pour les plateformes de défense. Pour le moment, ça commence à construire le centre administratif. Il va falloir également que je récupère quelqu'un, un gestionnaire. J'aimerais juste éviter de me prendre un split. Et puis, bah écoutez, on verra tout ça la prochaine fois. En tout cas, comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao !